Eh, madame, ça va? Vous allez bien? S'il vous plaît, madame, vous allez bien? Ouais. Non, 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 vous ne m'avez pas l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, vous n'allez pas bien. Où? Je vais bien. Où est-ce que vous allez? Où? Où? D'accord, d'accord, c'est bon, je vais vous aider. Je vais vous déposer. Allez, c'est bon, doucement, doucement, hein? Doucement. C'est bon, allez, doucement. C'est bon, je vais vous déposer. Allez-y, doucement, doucement, ça va aller, ça va aller. Voilà, montez. Où a-t-il mis son téléphone? Ah, décroche! Où as-tu mis ton téléphone? Ah. Allez, décroche! The customer you're calling is not answering. Please try again later. En tout cas, qu'est-ce que je prépare aujourd'hui? Voyons. D'accord, j'ai des œufs. J'ai des légumes. Qu'est-ce que je cuisine? Quoi? S'il
si ce n'est pas la plus belle dame qui appelle ce garçon de la campagne en ce jour merveilleux. Oh. Femi, tu n'es qu'un vrai flatteur. Et t'es doué dans ça. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien. Et Zior? Zior va bien. Je sais que ton fils serait un grand garçon maintenant. Comment va-t-il? Il grandit de jour en jour. D'accord. J'ai appelé pour te dire que je viendrai à Lagos. En fait, je déménage à Lagos. Super. Ma société y a ouvert une branche et on attend de moi que j'aille le gérer. Très bien. Ouais, c'est une promotion. Donc, tu me dois des félicitations. Ah, félicitations. Oui, merci. Tiens-moi au courant des détails. Je suis impatient de t'avoir dans ma ville. Évidemment, je le ferai. D'accord, prends soin de toi. À très bientôt. Oui, au revoir. Oui, au revoir. Ada. Oh. Lagos. Ah ah. Cet appel manqué de papa. Ah ah. Cet appel manquait vraiment. Oui, allô papa. Cet appel manqué, vraiment, que se passe-t-il? Non, non, j'aidais simplement une dame. Oh non papa, pas une petite amie. D'accord, d'accord, tu sais quoi? Je t'expliquerai tout à mon retour. Je t'explique. Oui. D'accord, papa. Là. Zior. Maman, pouvons-nous parler? Pas maintenant, chérie, je travaille. C'est important. Zior, tout est toujours important pour toi. Maman, c'est vraiment important, sinon je n'allais pas te déranger. D'accord, je t'écoute. J'espère que ça n'a rien à voir avec notre voyage à Lagos. Si. Ah ah. Aller étudier à Lagos. Maman, je ne veux pas aller à Lagos, je préfère être ici. En plus, étudier à Lagos est un vrai casse-tête. Je préfère étudier aux USA. Combien de fois t'ai-je déjà dit que Unilag est une superbe école? J'y ai étudié. Tout à fait. Je ne veux pas étudier là. Je préfère les USA. Zior, il y a un tas de choses que tu ne veux pas faire. Mais à présent, chérie, il ne s'agit pas que de ton opinion. D'accord? Si tu souhaites partir étudier à l'étranger, obtiens ta licence ici d'abord. D'accord? Là, tu pourras voyager. Mais je ne connais personne à Lagos. Tous mes amis sont ici. Je ne veux pas y aller. T'as un téléphone? Génial. Vous pouvez rester en contact. Ou fais-toi de nouveaux amis. C'est ce que font tes semblables. Maman, ce n'est pas bien. Tu n'écoutes jamais ce que je dis. Ce n'est pas bien. Tu ne me fais que cela tout le temps. Et ce n'est pas bien, maman. Unilag est la meilleure école dans ce pays. Tu l'aimeras. Ces enfants, tu veux étudier à l'étranger dans cette crise? Cette fille m'aurait tout montré dans cette vie. Oui, papa, elle pouvait à peine marcher. Donc, j'ai dû l'amener chez elle. Heureusement, ses enfants étaient là pour prendre soin d'elle. T'as aussi vu ses enfants? Père, elle a demandé à tout le monde de me dire merci.
Je me suis senti très gêné. C'est bien d'aider des gens. Enlève-moi cette main. Mais écoute, dans des situations pareilles, appelle-moi, dis-le-moi. Je t'appelais mais tu ne décrochais pas. Mon portable était dans la voiture. Il sonnait. Je m'excuse, papa. Je suis fier de toi quand même. Merci. Ça prouve que t'es un bon garçon. Merci, papa. Je vais dans ma chambre, j'ai de quoi étudier. Tu dis? Dans ma chambre pour étudier. Je t'ai entendu. Et moi qui suis là, qui suis-je, chef? Mais tu cuisines. Je cuisine. Oui. Viens me couper cette chose. Viens couper les feuilles d'oignon. Papa, tu sais, j'ai un examen. Il me faut apprendre. Allez, papa. En plus, tu sais que je n'aime pas... D'accord, pas de problème. Tu sais quoi? Viens cuisiner. Ah, non, t'inquiète. Je vais les couper. Et puis, quoi d'autre? Prends ça vite et va les laver. D'accord, t'en fais pas. C'est moi le chef, n'est-ce pas? Hé, hey, papa. Oui. Tu sors? Oui, j'ai cours à 14h. Ah. Eh bien, j'ai... Qu'est-ce que tu cherches? As-tu vu mon téléphone? Et les clés de ta voiture? Je l'ai là. As-tu vu mon téléphone? C'est ici. Allez, papa. T'as encore fouillé dans mon téléphone? C'est juste vérifier que tu ne fais pas des bêtises sur les réseaux sociaux. Papa, tu sais que j'ai pas le temps de tout ça. Ça m'intéresse pas. Qu'en est-il des filles? Qui sait? T'es sérieux? Vraiment? C'est ce que font les bons papas, d'accord? D'accord, c'est bien. Qu'as-tu vu? Qu'est-ce que t'as vu? Que t'es pas un mauvais garçon. Exactement. Je suis un bon garçon, papa. Un bon garçon. Tu vois? Et ça te va très bien. Exactement. Merci, papa. D'accord. T'as pas oublié quelque chose? Oh, ouais. À tout à l'heure, papa. Sois prudent au volant, d'accord? D'accord, monsieur. Allô, Femi? Femi, je ne vais pas bien, j'ai besoin de ton aide. L'appartement que la société m'a attribué n'est pas encore prêt. Et mon volet est prévu dans 2 jours. Je ne sais quoi faire. Je me demandais s'il était possible que tu me trouves un hôtel où rester en attendant que mon appart soit prêt. Ada, écoute. Tu veux dépenser tout cet argent à l'hôtel. Alors que je suis là. Bien sûr que tu peux rester ici. C'est juste Nelson et moi et c'est une grande maison. De quoi parlons-nous? Es-tu sûr? Je ne voudrais pas te déranger. Bien sûr que vous ne me dérangerez pas. Toi, Ezio, êtes les bienvenus ici aussi longtemps que vous voulez. C'est chez vous. D'accord? Es-tu sérieux? Sérieux. Vraiment. Merci beaucoup. 1000 fois merci. C'est gentil de ta part. Cela me va droit au cœur. Oui, ça me va droit au cœur. C'est bon. Notre volet dans 2 jours et c'est en vol matinal. Alors? Je suis très impatiente de te voir. Je te dis. D'accord. Merci. Au revoir. Oh, c'est magnifique. Entrez. Fiston. Hé, hey, père. Architecte Nelson. Père, cette conception me donne du fil à retordre. Comment puis-je t'aider? Y a rien que tu puisses faire à propos, t'en fais pas. Je me débrouillerai. J'irai chez un ami pour un temps jusqu'à la fin des examens. Lequel de tes amis? Jean de ma classe. D'accord, bien. Bien. Tu voulais quelque chose? Non. Profite. Papa, il n'y a rien à profiter ici. Cette conception me donne la migraine. C'est ce qui fait de toi un endédiment. Les défis ne t'abattent pas.
Tu surmontes. Je suis sûr que tu vas le relever. Si tu le dis, papa, je suis sûr. D'accord, papa. Bonne nuit. Bonne nuit. Comme si tu vas dormir. Femia, dédie mon premier. Le seul et l'unique, hein? Hello? Hey, t'as embarqué? D'accord, bien, moi, je suis déjà prêt pour l'aéroport. Non, je vais y être avant l'embouteillage. Écoute, écoute, ne t'en fais pas, d'accord? Oui, je le fais, je viens vous chercher. Alors, détends-toi, j'y serai d'ici peu, d'accord? C'est bien toi, Ada. Allez, gosse. Après avoir si haï les gosses. Non, je n'ai jamais dit que j'haïssais la gosse. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai juste dit que je ne la supporte pas. Les bouchons, les klaxons sont de trop. Bien, bien, bien. T'es là maintenant. Eh bien, c'est ça, hein. De toute façon, tu sais quoi? Tu vas l'aimer. Avec des changements, c'est une très belle ville maintenant. Des endroits chics à visiter. Beaucoup de plaisir à avoir. D'accord? Alors, que vas-tu faire de l'embouteillage? L'embouteillage? Oui, les embouteillages. Je le gère. Mais quand l'asthme s'en prendra à moi, tu viendras à mon secours, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Femi, laisse-moi tranquille. T'arrives même pas à nous sortir de celui-ci. Je peux le gérer. Non, tu ne par peux pas. Par un sens interdit. Oh mon Dieu! Ils me verront comme quelqu'un qui a des problèmes mentaux. C'est ce qu'ils diront. Comment le faites-vous, vraiment? Ça n'a pas l'air de s'améliorer. C'est pas facile. Les gens se multiplient de jour en jour. Tout le monde débarque dans cette ville. Et je ne sais où allons-nous. Ça veut dire que l'argent est ici. Oui, peut-être. Peut-être? Peut-être que non. Zior, tu vas bien? Sadik. Sadik. Oui, monsieur. Viens faire sortir les sacs et amène-les en haut. D'accord, j'arrive. Nous y sommes. Voilà. J'espère que la chambre te convient. Oui, merci. Génial. La salle de bain est là-bas. Donc tu peux prendre un bain, se détendre et tu descends après pour le déjeuner. D'accord. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi savoir. Je vois que tu t'installes bien. Bien sûr. D'accord. Femi, merci beaucoup de nous avoir reçus.
Allez, tu ferais de même pour moi, non? C'est rien. J'irai dans la chambre de mon fils parce que celle des amis à mon bureau. Et c'est un peu un désordre. Oh, alors où est-ce que Nelson dormira à son retour? Il y est pour un temps. Et tu connais ces garçons. Quand ils sont quelque part avec des amis, ils préfèrent y mettre du temps. Donc, je ne me fais pas de soucis pour lui. Je comprends bien. C'est ce que je vis en ce moment. Ah oui? Ces adolescents, j'en ai aucune idée. Tu sais, Zion n'est pas contente du fait de venir à Lagos. Elle préfère rester à Saba, avec des amis, plutôt que de venir avec moi. Est-ce la cause du visage qu'elle fait? Oh oui, c'est exactement ça. Que puis-je faire pour la réconforter? Madame Zion, celle-là, tu ne peux la convaincre de quoi que ce soit. On ne peut non plus l'en dissuader. Elle décide et donne le rythme. Oh Dieu, cette fille est tellement têtue. Oui. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Je sais pas si têtu. J'ai rien dit. Tu l'as suggéré. À ma décharge, j'ai rien dit du tout. Ah non, je sais pas si têtu. D'accord. Peut-être l'âge m'améliore. Oui. Oui. Je suis heureux que tu sois là. Moi aussi. Que veux-tu pour le déjeuner? Non, rien. Zior, ta mère dit que Unilag est son choix. C'est un bon choix. Ta mère et moi avions fini là. Et c'est là que mon fils Nelson étudie l'architecture. Alors c'est un bon choix. Merci pour le repas. Merci maman, merci pour le repas. As-tu fini? Waouh. Elle est vraiment bouleversée. Elle est comme chien et os. Elle ne laisse pas aller. Mais t'inquiète, elle ira bien. Elle aimera les gosses tellement que tu ne croiras pas. Tu sais, la façon dont tu parles de cette ville, on pourrait penser qu'on t'a nommé ambassadeur ou quelque chose du genre. Oh, bientôt. Ambassadeur Femi Adeyiro, très bientôt. Je ne plaisante pas. Oh mon Dieu, Femi, tu n'as pas changé, même pas. Tu le verras bien. Oh mon Dieu, t'as cette façon de me faire rire, tu sais. C'est bien de le savoir. Ambassadeur Femi. Femi Adeyiro, complète F.E. Est-ce qu'elle n'aime pas le poulet ou quoi? Oh mon Dieu, oublie cette fille Zior, ça va, elle te fait ses manières. Le poulet est très bon. Merci. Finis-le, il y en a encore. Je suis ici il y a quelques heures et je déteste déjà le lieu. C'est bruyant, saturé et très ennuyeux. Je sais pas pourquoi ma mère ne veut pas m'écouter. Si elle ne veut pas me laisser étudier aux USA, du moins est-ce qu'elle me laisse à Saba? Là où vous, mes amis, vous m'entourez, mais non! Elle pense que se faire des amis, c'est si facile. Salut. Non, c'est rien. Juste un gars impoli à côté. Je n'aime pas cet endroit. Je déteste les gosses. Que fais-tu ici, hein? Je vis ici. Ne joue pas au malin avec moi. T'es pas censé revenir avant 2 semaines. Bien. J'ai les autres garçons partis. Je voulais pas aller avec eux. Je suis rentré. Pourquoi ne pas me prévenir avant de venir? Je t'ai jamais prévenu avant de venir à la maison. Mais c'est différent. Nous avons des convives. Oui, à propos des convives. C'est qui la fille dans ma chambre? C'est la fille d'Ada Zior.
Tu veux dire Tanti Nada? Ouais, Tanti Nada, son travail l'a amené ici et sa maison n'est pas encore prête, donc elle restera avec nous pendant quelques semaines. Attends. T'as fait tous ces arrangements sans me le dire. Tu n'étais pas là, tu ne seras pas là, donc à quoi ça sert de te le dire? Ben, je suis là maintenant. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que on peut partager la chambre, ça me dérange pas. Eh, allez papa, c'est une blague, je plaisante. Tant mieux si c'est une blague, personne ne partage de chambre ici. D'accord, monsieur. Pour de vrai, je suis sérieux. Je veux dire, je peux rester ici avec toi, non? Pas question. En plus, t'es désordonné et j'aime mon espace. D'accord, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ada est dans la chambre des invités. Tu vois, alors? Par ailleurs, l'autre chambre, je peux le nettoyer et tu y restes. D'accord? Ou je dirai à Jordi aménager. Non. Laisse-la y rester, moi je quitte. Nelson, tu la laisses dans ta chambre et toi tu quittes? Oui, je vais quitter sans souci. Depuis quand t'es si magnanime? Oh, t'as sous les yeux le roi des magnanimités. Bien. C'est ça? D'accord, je vais t'arranger la chambre. Je pense que ce sera mieux. Chef, j'espère que t'as pas l'intention de toucher quelque chose dans ma chambre. Oh, maintenant que tu le dis, je vais voir dans l'armoire. Écoute, une chose est sûre, je vais te couper les cheveux. Ah, non. Ne touche à rien, assois-toi bien droit. D'accord, c'est bon. Alors Nelson? Oui, ma. Ton père m'a dit que t'es dans ta deuxième année d'études d'architecture. Oui, c'est ça. Que c'est merveilleux. Merci, ma. Je suis fière de toi. T'es pas fière de moi? T'as-tu dit comment on s'est connus? Non, pas encore. Fais-moi tel atout. J'aimerais vraiment l'entendre. Il était une fois. Fais-moi, arrête. Je suis sûr que cette histoire serait très juteuse. Il était une fois. Il était une fois. Oh, Fémi, arrête. D'accord, pas de problème. Un de ces jours, quand il m'offensera, tu auras tous les détails. J'aimerais vraiment l'entendre. Je suis sûr que c'est très juteuse. J'aimerais vraiment l'entendre. Tu paies toi-même ta scolarité, n'est-ce pas? Et voilà encore des menaces, là où nous sommes. Zior, est-ce que ça va? Ça va. T'as presque rien dit, es-tu sûr que ça va? Je vais bien. Eh bien, je suis sûr que ce soir te fera du bien. Soirée cinéma. De quoi s'agit-il? C'est tous les jeudis soirs. Ce jeune homme et moi, on choisit un film, on s'assoit popcorn et tout, et on s'amuse. Ça a l'air sympa, pourquoi pas? Y aura-t-il de l'alcool? Bien sûr, mais pas pour ses enfants. Et ensuite ton histoire? Peut-être après. D'accord. Alors, Zio, intéressé? Je le suis. Super, génial, au rendez-vous. Tu veux écouter l'histoire? Si tu connais ce tome. Excuse-moi. Si tu connais son. On ne parle pas quand on est à table.
J'ai remarqué qu'on ne s'est pas bien présenté. Je vois que les parents l'ont oublié. Je suis Nelson. Désolé la mousse. Zior est un très bon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravi de te rencontrer. Oh mon Dieu, que ce film est étonnant. Ce gars a souffert. Ah. Et ces deux continueront à les chasser. Cette affaire me stresse. Ah. Ils sont là. Ces enfants sont malades, hein. Après ce qu'ils ont traversé, ils écoutent la radio. Oui, c'est la meilleure option. Quoi, meilleure option? Elle va essayer de faire avec l'eau. Il arrive. Regarde. Oh. Oh, merde. Ça reste. Il essaye de... Oh mon Dieu, tu vois ça? Oui. Elle essaie de se sauver. Elle essaie. Bonjour, ma. Bonjour, mon cher. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien. Bien dormi? Oui, bien dormi. Hé, hey, qui fait son jogging ce matin? Oh, s'il te plaît, non. On n'a pas tous le privilège de bosser à domicile. Ah. En plus, j'ai du travail à faire, je ne peux pas faire ça maintenant. Travailleuse acharnée, c'est ce que t'es. Fière de l'être. Et toi, jeune homme, pas de basket? Je passe, merci. J'ai des études à faire. Travailler sans jouer fait quoi? Monsieur Nelson est un étudiant très très sérieux. Merci beaucoup, amuse-toi. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, monsieur Femi. Bonjour. Tu vas faire du jogging? Oui. D'accord, allons-y. Tu vois, c'est de ça que je parle. Elle ne rate jamais son jogging matinal. Oh, vraiment? Oui. J'ai de l'eau pour toi. Je vois que t'as soif. Voilà. La viande est-elle molle? Bien sûr que non. C'est encore dur. Ah. Tu vois,
D'accord. Je vois que ton emploi contractuel paye très bien, voyant que tu travailles à domicile. Ben, que puis-je dire? Je ne me plains pas. C'est bon. Ça paye bien, n'est-ce pas? Ben, ça gère les factures. Essaye-tu de jouer au modeste avec moi? Avec tout ce que je vois, ça va bien au-delà des factures. Non, il gère juste les factures. Salut les gars. Hé, fiston, c'est comment? As-tu fini d'étudier? Est-ce même possible? T'en fais pas. Dans quelques années maintenant, tu vas finir. Là, tu pourras te reposer. Pas avec ce type de papa. Qui veut que j'aie le master, doctorat, tout ce qu'il y a comme diplôme? Femi. Master. Doctorat. Le jeune doit être prêt pour toute éventualité. Hein? N'est-ce pas ce que je te dis toujours? T'as de la chance. Moi, je suis là. Je me bats encore pour convaincre ma fille d'étudier dans cette ville. Oui, parlant d'elle. Je ne l'ai pas vue toute la journée. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. D'accord. Elle a... C'est son moment du mois, en fait. Comment? Du salaire? Le salaire. Ce moment du mois... Comment peut-on l'aider? Il me semble que quelqu'un fait son bon travail de père. J'essaye. Alors? Pour ça, il n'y a vraiment rien que tu puisses faire. Peut-être que quand le repas sera prêt, tu peux lui apporter. Seulement ça, qu'en est-il des analgésiques? Nelson, elle ne les aime pas. Et le plus important encore, elle n'aime pas que les gens l'encombrent beaucoup. D'accord, je lui apporte le repas. D'accord. Je serai dehors. Au lieu de nous donner un coup de main, tu t'en vas dehors. T'as déjà mis des oignons? Non, je vais les ajouter bientôt. D'accord. Entrez. Salut, je t'ai apporté à manger. Ta mère m'a dit de te servir. Merci. C'est ça. Comment tu te sens? Je veux dire, ton ventre, t'as toujours mal? Je pourrais te faire un massage si ça te va. Non. Pas ce genre de massage, non. Je veux dire... Un massage du ventre, je l'ai lu quelque part que c'est bon pour ces moments du mois. Désolé si c'est mal sorti. Je devrais partir maintenant. Avant de dire quelque chose de plus ardu. Et fais-moi savoir quand tu auras fini pour me débarrasser. J'aime Zior. Pardon? J'aime Zior. Je t'avais bien entendu. T'as pourtant voulu que je le répète. Écoute, tu peux pas aimer Zior. Écoute-moi. Tu peux pas aimer Zior, d'accord? D'ailleurs, il n'y a pas à faire d'aimer Zior dans cette maison et jamais. Père, je comprends pas. T'as dit que je peux avoir une copine. Si je te la présente et me conduire telle qu'il faut. C'est ce que j'ai dit, d'accord? Et t'as trouvé mieux d'aimer la personne qui est chez toi? Que dis-tu maintenant? Zior est hors de question, c'est tout ce que je te dis. D'accord? Pourquoi pas, père? Pourquoi pas? Parce que j'aime sa mère. Quoi? T'aimes Tantinada? Oui, et alors? Je suis un adulte et je peux aimer qui que je veux. Tu m'as pourtant dit que vous êtes amis, n'est-ce pas? Nous le sommes, oui. On se connaît depuis longtemps, mais je l'aime maintenant. Papa, tu peux pas aimer tante Ada. Tu ne peux pas l'aimer, papa. C'est la mère de Zior et j'aime sa fille. Ada est la mère de Zior et j'aime Ada. Non, j'aime Zior. J'aime Ada. J'aime Zior. On ne peut pas aimer les mêmes personnes dans la même maison. Et de la même famille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa, écoute. Vous devez céder la place à Zior et moi. À vous de nous céder la place, nous sommes adultes et vous êtes jeunes. Vous avez la vie devant vous. Papa, écoute, j'aime vraiment cette fille. J'aime Zior. Hey,
J'ai jamais eu cet amour pour une fille. Amour, hein? Quand sais-tu de l'amour? Nelson Adejimo, quand sais-tu de l'amour? Pourquoi parlons-nous de ça même? Parce que ceci est une situation impossible. Comment pouvons-nous aimer maman et sa fille au même moment? Papa, écoute, je pense vraiment que tu te retires. Cède la place à Zior et moi. À toi de céder la place. Quelle raison me donnes-tu de laisser Ada pour Zior et toi? Zior, tu l'as connu seulement hier. Et tout d'un coup, tu l'aimes. J'ai connu Ada depuis des années. Peu importe depuis combien de temps tu la connais. Et voilà que tu n'as rien fait avec elle jusqu'à l'heure. Peu importe depuis quand tu connais une personne. J'aime Zior. Et je le sens dans mon cœur. Dans ton cœur. Que nous devrons être ensemble. Jésus. Et si t'en doutes, je te le prouverai à toute autre personne. Je te ferai de même. D'accord? Je pense qu'on devrait nous lancer un défi. Le premier qui gagne sa femme sera le vainqueur. Point barre. Regardez cet enfant. Vais-je passer un accord avec toi? Père, s'il te plaît, réponds-moi. T'es d'accord ou non? Moi, je vais à cache-cache avec toi. Vois-tu une meilleure idée? Toi, Nelson. En as-tu une? Ah, ce garçon. Et j'ai pitié de toi. Père, tu ne m'as pas encore répondu. Es-tu d'accord ou non? Pourquoi l'aimes-tu? Donne-moi 10 raisons pour lesquelles je céderai la place à Zior et toi. Père, t'as pas toujours répondu à ma question. Es-tu d'accord ou non? Parce que si je perds, j'accepterai ma défaite et te laisser, avec tante Ada, vivre heureux jusqu'à la fin. Point barre. Nelson Adejimo. D'accord, j'aime ce que ça donne. Y a-t-il un temps fixe pour cela? Est-il nécessaire? Oh oui, ce sera authentique. Disons 2 semaines. 2 semaines, t'as dit. 2 semaines? Oui, on serre la main. Pas de corruption. Tu vas perdre. Papa, si je perds, je vous laisserai heureux à jamais. On est ensemble. Nelson Adejimo. Regardez-moi cet enfant. Tu me défies, moi, Femi Bado. Bado des filles. Il ne sait à qui il a affaire. Est-il un problème? Non. J'allais prendre de tes nouvelles et te demander comment va ton ventre. Ça va bien, merci. Et merci pour le geste de tout à l'heure. Oui, d'accord. Je t'en prie. Et puis, si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi savoir, d'accord? Je dois m'en aller. D'accord, c'est bon. Tu vas quelque part? Ouais, je vais faire rapidement quelques courses. Oh, d'accord. Ouais. Tu vas par quel moyen? Je vais juste prendre un taxi. Non, allez. Prends ma voiture.
fait, mais t'as besoin de ta voiture. Non, pardon. Prends ma voiture quand t'en as besoin. En plus, je sors rarement. T'en es sûr? Bien sûr, j'en suis sûr. Oh, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Non, de rien. D'accord, je m'en vais. D'accord. Sois prudente. Bien sûr que oui. C'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça qu'on le fait. Hein? Pas vos jeux d'enfants que vous faites. Je suis le roi dans ce jeu. Bonjour, monsieur Femi. Eh, bonjour. T'es pas allé au jogging? J'y suis allé plus tôt. Et vous donc? J'ai été à mon réveil, mais j'irai dans la soirée. D'accord, je vais me faire un truc à manger. Et que veux-tu faire? Des nouilles. Vous en voulez? Il ne mange pas des nouilles. Oui. Mais amuse-toi. Merci. T'as besoin d'aide? Non, merci. Allez, je suis libre, je peux t'aider. C'est bon, je peux le faire. T'as besoin d'aide? Tu cherches ceci? Comment l'as-tu su? J'ai deviné. Jeune homme. Père. Pour quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, tu parades trop dans la cuisine récemment. Et tu ne t'aimes même pas cuisiner. Tout ça pour une fille qui ne t'aime pas. Père, t'en sais rien. Bien sûr que je le sais. Je le sais. Laisse-moi. Non, viens. Écoute, regarde Ada et moi. Nous sommes adultes. Et prêt pour une relation amoureuse. Laisse-nous juste la place. As-tu vu comment elle m'a embrassé des deux côtés de mes deux joues quand elle s'en allait? Père,
Elle ne fait qu'être reconnaissante, c'est tout. Reconnaissante? Oui. As-tu vu le sourire? C'était le même acte de reconnaissance. J'aime la façon dont tu te trompes. Hein? Mon petit, abandonne. Père. Tu perds. Tu sais que je t'ai toujours gagné à chaque jeu et à chaque pari, je t'ai gagné. Comme je vais te battre encore, viens recevoir encore la correction. D'accord, essayons voir. Ah oui, allons-y. Joue ta partie. Regarde, hein. Avant de dire que je t'ai triché. C'est ça ton coup? C'est ça ton... Pas étonnant. Observe et apprends. Voyons ce que tu vas faire. D'accord. Des mots. Je te dis. T'en dis beaucoup. Pas ce que je veux dire. Je ne m'intéresse pas à lui, non. Mais je pense qu'il est gentil. Il voulait me masser le ventre pendant mes périodes. Non, pas d'une manière effrayante. Je pense qu'il voulait juste m'aider. Et c'était si mignon de le voir chercher les mots. Je maintiens mes propos. Je ne suis pas prête pour une quelconque relation. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Mais ça ne fait pas de mal d'être de simples amis, n'est-ce pas? Bien sûr que non! Et ça ne veut pas dire que je vous larguerai. Vous demeurez mes meilleurs amis pour toujours. Bien sûr! Ouais. J'ai besoin qu'il règle ces choses le plus vite possible. Parce que j'en ai marre de ce type. Il me perturbe. Et on doit réussir cette fois-ci. Vous allez quelque part? Non, seulement lui. Il doit faire des courses pour moi. Alors appelle-moi si Monsieur Koundé est là. Je l'appelle mais il ne décroche pas. Il nous faut livrer ses équipements aujourd'hui. Hein? C'est dans le coffret. D'accord, à plus papa. Nelson, une minute. Depuis que nous sommes arrivés, tu n'es allé qu'à l'église. Je pense qu'il faut aller avec Nelson pour découvrir la ville. Non. Je veux dire, c'est pas nécessaire. C'est pour aller me faire des courses. Oh, allez, Nelson est un chauffeur bien prudent. Je lui fais confiance. Je sais, j'aimerais qu'il se concentre sur cette course. C'est un peu délicat, tu vois. Elle ne sera pas une distraction. Elle va juste s'asseoir là, tranquillement, et regarder la ville. D'ailleurs, je pense que Nelson a besoin de compagnie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Faire des courses seul est très ennuyeux. La bouche. Depuis combien de temps tu fais des courses? En plus, je pense qu'elle devrait penser à ça. Il y a trop d'embouteillages à Lagos et elle doit plus subir cela. Tu sais, avant d'arriver à ce point où on prend des décisions pour elle, Zior, voudrais-tu aller avec Nelson? Oui. Je vais juste aller porter quelque chose de plus confortable. D'accord. Nelson? Prudence au volant. D'accord. Je serai dans la voiture. Femi, c'était quoi tout ça? Non, je voulais juste qu'il se concentre sur les courses. Elles me sont très importantes, tu vois. Tu sais, Nelson est un jeune homme très responsable. Oui, mais personne ne me jette des fleurs. Tu en as près de toi. Celles-ci sont artificielles. Fais avec. Tu sais, t'as pas changé. T'es un vrai bébé. J'ai envie de mes fleurs. Qui te les donnera? Toi. Mm-mm.
la ceinture. Sûr. Non, non, laisse-moi t'aider. D'accord, c'est bon. Oui, attends. D'accord. J'ai commencé dans cette école. Ouais. Voilà. C'est ça. Tiens. Oh, merci. Je t'en prie, j'espère que tu aimes le modèle. Vanille et chocolat. Juste comme je l'aime. Oui, ça m'étonne, parce que je m'attendais à ce que tu aimes un truc de plus compliqué, comme mocha, avec ginger, pipaina, tu vois, mais... Bien, je suis une fille simple de cœur, alors... Je ne pense pas qu'il y a à s'inquiéter. Il n'y a rien de simple à ton sujet, Zior. Rien de simple à ton sujet. Ah oui, je voulais te demander... Zior, qu'est-ce que ça veut dire? Zior Efetuku. Zior Efetuku. Zior Efetuku. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde à la lumière. Waouh, c'est un très beau nom. Merci. Il ne fonctionne toujours pas, toujours éteint. Et pour elle? Ça ne passe pas. Peut-être qu'ils sont là. D'où est-ce que vous venez? Et Nelson, pourquoi ton téléphone est éteint? Désolé père, c'était déchargé.
Et toi, pourquoi es-tu injoignable? Ma batterie est plate aussi, désolée. Savez-vous qu'on était très inquiet? On allait appeler la police. Désolé, père. C'est ma faute. Ils voulaient qu'on revienne, mais j'ai insisté pour voir plus d'endroits. Je suis désolée. Non, non, non. C'est ma faute. J'aurais regardé l'heure. C'est ma faute. Désolé, papa. Tu vois ce que je disais. Cela ne doit plus se produire. Plus jamais. Est-ce que je t'ai demandé de faire? Oui, j'ai vu Monsieur Koundé et je lui ai passé ton message. C'est lui qui m'appelle. Allô, Koundé, c'est comment? Veillez à ce que cela ne se répète plus. Désolé, ma. Regardez, j'ai failli devenir folle à cause de vous. Je suis désolée, maman. Pourquoi t'as fait ça? Fais quoi? Prendre le blâme. Tu voulais qu'on revienne, j'ai insisté pour voir plus de lieux. Allez, j'ai fait ce qui est juste. As-tu faim? Non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, je me suis bien amusée. Merci. Je t'en prie. La dernière fois que j'étais là, les robinets de toilette ne marchaient pas. Est-ce qu'ils fonctionnent maintenant? J'avais avisé le gardien. Veuillez vous assurer que tout est bon. Merci, sans souci. Juste, veuillez m'informer. Je viendrai vérifier moi-même. D'accord, merci. Ouais, au revoir. Hey. Quoi? Ouais, les gens qui s'occupent de mon appartement. Oh, d'accord. L'appartement est presque déjà terminé, donc. Attends, si vite? Oui. A-t-il fait un bon travail? Non, parce que c'est là où tu vas vivre. Y a-t-il quelqu'un qui contrôle le travail? Est-il sûr que tout... Rémi... Bien sûr. D'ailleurs, nous vous avons déjà assez dérangé, donc il faut qu'on parte. Tu sais que tu ne me déranges pas, tu peux continuer à rester. Femi, merci beaucoup de m'avoir hébergé. Je t'en prie, mais crois-moi, tu peux en fait prendre tout le temps qu'il te faut. Ça ne me gêne pas. Je pense qu'il faut faire attention à ce que tu souhaites. Je le souhaite de tout mon cœur. Aussi tentant qu'il est? Non, merci, nous partons. De toute façon, une chose est que tu es maintenant à Lagos. Mm-hmm. Donc on peut se voir à tout moment. Bien. Je suis ravie. Il faut que je les appelle. Il y a un truc qu'ils doivent m'installer personnellement. Ouais. Ouais. Salut maman. Salut chérie, comment tu vas? À quelle heure allons-nous partir pour m'apprêter? S'apprêter pour quoi? Pour la plage, t'as promis m'amener, t'as oublié? Oh, c'est aujourd'hui? Oh, bon Dieu. Oh, j'ai oublié. Et j'ai ce rapport très important à présenter demain à la première heure. Je me bats pour le finir. Je ne crois pas que je finirai à temps pour t'amener à la plage. On peut toutefois reporter. Bien sûr, c'est ton travail avant tout, j'aurais dû bien le savoir. Zior, tu ne peux pas dire ça. D'accord, j'ai vraiment envie de t'y amener. C'est juste que... C'est bon, c'est pas grave, vas-y, travaille. Allez, travaille, maman, tu fais toujours cela. Que vais-je faire maintenant? Oh, Dieu... Puis-je vous aider, ma... En fait, je ne sais pas... Ouais. D'accord. J'ai promis à Zior de lui faire passer un bon moment. Oh. L'amener à la plage. D'accord.
Mais j'ai eu un empêchement avec mon travail. J'ai oublié. Je sais pas si c'est possible que tu m'aides. Tu vois, l'amener... Bien sûr. Si je ne demande pas trop... Non. J'aimerais bien le faire. Oh, génial. Oh, merci alors. Merci beaucoup. Je vais l'informer. D'accord. J'espère que je ne... Non, c'est bon. D'accord. C'est bon. Zior, je suis désolée, j'ai vraiment oublié. J'ai demandé à Nelson de t'y amener. Voudrais-tu aller avec lui? C'est déjà conclu après tout. Ne dis pas ça. J'ai vu l'importance que tu as accordée à cette sortie. C'est pourquoi je lui ai demandé. Alors veux-tu aller avec lui? Ça veut dire oui. C'est bon. Après toi. Non. En quoi s'agit-il d'une concurrence saine? Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas sortir avec elle et moi à la maison. C'est pas juste. Et tu le sais bien. Père, tu te retires de la compétition? Il ne s'agit pas de cela. Tu sors toujours avec elle et moi jamais. Et tu me parles de compétition. J'ignore où vous allez. Vous allez à la plage et plusieurs endroits. Mais nous, on ne sort pas. Et tu me dis qu'on compétit. C'est ce qui te donne l'avantage sur ma personne. Tu sais quoi? Tanti Ada ne t'aime pas. Abandonne juste. C'est encore tôt. Juste qu'est-ce qu'il a ce garçon? Toi et moi savons qu'Ada m'aime. C'est un fait très clair. Au contraire, c'est Zior qui ne t'aime pas. Qui te l'a dit? Tu vois pas sa face quand vous êtes ensemble? Elle te kiffa. Oublie le fait d'aller à la plage. Ça ne va pas marcher. C'est ainsi qu'on fait le jeu. T'en fais pas, papa. On verra bien. Oh, vraiment? Oui. Vraiment? Le jeu continue, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Elle est prête. Belle tenue, Zior. Merci. Pardon, fais tout pour la ramener à temps. Je ne veux pas avoir une crise cardiaque. D'accord, ma. Pourquoi ne pas y aller avec eux? Pourquoi? T'as pas été à la plage depuis que t'es arrivé à Lagos. C'est une bonne opportunité, tous les quatre, s'amuser. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Que fais-tu à l'intérieur? Laisse-les s'amuser, c'est bon. Merci. On peut partir? Oui, allez-y. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir. Allez, papa. Sois prudent au volant. Mais tu sais, on aurait dû les suivre. Femi, t'as eu ton temps. Laisse-les profiter des leurs. Je suis toujours jeune. J'ai pas dit que t'es vieux. Et tu... Je pense que t'es actuellement vieux. Et toi?
You can hold me tight, you can count on me. I'll never let you fall. À 12 ans. Il s'est couché et ne s'est plus réveillé.
Le docteur a dit que c'est un arrêt cardiaque. C'était si dur pour ma mère et moi. Il était tout pour nous. Rien n'a plus été pareil après son décès. Il m'appelait la princesse africaine. Il était trop bon. Mais maintenant, il n'est plus. Il me manque tellement. Je suis vraiment désolée. Merci. Mon père et ma mère se sont séparés quand j'avais 3 ans. Elle est partie sans regarder en arrière. Pendant des années, j'ai eu mal du fait qu'elle soit partie. Je me suis senti abandonné. Tellement mal. Mais mon père s'est tenu, tu vois, et comblé ce vide. Depuis lors, j'ai dit merci à Dieu pour cela. Je suis désolée pour tout ça. Non, c'est bon, ça va maintenant. Je lui ai pardonné, j'ai avancé. Elle appelle de temps à autre. On se parle brièvement. La vie est si dure. Oui, mais il faut en profiter au maximum. C'est tout ce que nous avons. Mais comment es-tu devenu aussi sage? T'es plus sage que ceux de ton âge. Tu veux dire notre âge? Oui. Tu sais, j'ai grandi avec un père célibataire sage, d'accord? Il m'a appris tout ce que je connais. On opère par un système à livre ouvert. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire simplement qu'on se dit tout. Vraiment? Mm-hmm. Waouh, ça serait trop bien! J'aurais souhaité avoir ce genre d'intimité avec ma mère, mais... Elle est très occupée pour ça, mais pourtant elle veut que j'étudie dans cette ville. Où elle me laissera pour se concentrer sur son travail comme elle le fait toujours. Je préfère étudier là où je connais les gens ou à l'étranger. Sinon, je me sentirai seule comme d'habitude. Et c'est pas bien. Tu sais qu'elle t'aime. Et tout ce qu'elle fait, elle fait pour toi. J'aimerais avoir plus de temps avec elle, honnêtement. Je pense qu'il faut le lui en parler. J'ai essayé. Alors, essaye encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'elle te comprenne. Et je sais qu'elle comprendra, parce que elle t'aime bien. Et moi aussi. Tu m'aimes? Oui, bien sûr. Et j'aimerais qu'on commence quelque chose de concret. Tu me fais des avances? Si tu le dis ainsi, oui. Alors? Je vais y penser et te faire un retour. Très bien. Je vais attendre ton retour. D'accord. C'est bon. As-tu eu des nouvelles de Bouki? Êtes-vous en contact? Oui. Elle appelle Nelson de temps en temps. Parfois, je me demande comment j'ai pu me retrouver avec une femme qui ne veut être ni mère ni épouse. Elle veut juste parcourir le monde avec son homme. Faire la vie. Pourtant, moi, je veux être mari. Prendre mon enfant, ma femme, être avec eux. Tu sais, l'amour est aveugle. Oui. Et toi, alors? Moi alors, quoi? Depuis la mort de Luc, t'as pas parlé d'un autre homme. Sincèrement, je pense pas que je suis dans un bon état pour m'engager dans une relation. Je veux juste prendre soin de moi, prendre soin de ma fille et travailler constamment. Tu ne veux plus te remarier? Remarier? J'y ai jamais pensé. Un compagnon, peut-être, mais
pas mariage. Et même si j'envisageais quelque chose de ce genre, ce serait après les études de Zior. Et probablement marié. Ça veut dire 4 ans ou quelque chose comme ça. Parlons de toi, veux-tu encore te remarier? Ouais. Ah. Ouais, je veux dire, si je trouve une femme qui voudrait être épouse et une mère, bien sûr que je me remarierai. Tu en doutes ou quoi? Tu en trouveras. Femi, t'es l'homme le plus doux que j'ai connu. Toute femme qui t'aura sera chanceuse. Très chanceuse. Oui, vraiment chanceuse. Oui. Ah. Ouais, qui est-ce? Excusez-moi. Nelson. Pouvez-vous m'accorder une minute, ma? Est-ce que tout va bien? Oui, oui. D'accord. J'espère que je ne déborde pas mes limites. Non, non, c'est bon. Je sais que vous êtes très occupé. Et je sais aussi que vous aimez Zior tellement. Mais elle se sent comme si vous ne l'aimez pas beaucoup. Donc je vous prierai de prendre un peu de temps sur votre emploi du temps chargé pour vous connecter à elle. Elle a aussi dit que si l'école est dans la même ville où vous êtes, elle n'aura pas votre pleine attention. Elle vous aime beaucoup et qu'elle veut de vous. Zia est mon amie et je veux le meilleur pour elle. Ce sera tout. Elle a dit tout ça? Oui. Merci. Désolé de vous déranger, ma. C'est bon. Entre. Mao, tu m'as appelé. Zior. Tout d'abord, je veux te demander pardon. De te priver de ma présence. Si tu penses que j'ai mis mon boulot avant toi, et si tu penses que j'ai pas su combler le vide causé par l'absence de ton père, pardonne-moi. Je travaille dur parce que, à ce stade, je dois travailler pour deux. Non, c'est pas que j'essaie de me trouver des excuses. Peut-être que j'aime travailler. Mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. T'es tout ce que j'ai. De ce fait, quel que soit là où tu choisiras pour étudier, je te soutiendrai. D'accord? D'accord, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. D'accord. Maman, j'ai quelque chose à discuter avec toi. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai finalement décidé d'étudier ici. Ici? Zior, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Juste que la ville n'est pas si mal et j'ai entendu plein de bonnes choses sur l'école. En plus, je ne veux pas m'éloigner de toi. Oh, t'es un enfant considérable. Merci. Merci de me mettre en perspective. Je t'aime et je suis reconnaissante. Je t'aime aussi. Par ailleurs, je vois que toi et Zior, vous vous rapprochez très bien.
Oui, c'est vrai. Et pour te dire vrai, j'ai fait de ma part. Donc tu l'as dragué. Mais calme-toi, n'est-ce pas moi qui ai fait la cour? Désolé. Vas-y doucement avec moi, s'il te plaît. Désolé, monsieur. Et puis... Donc elle a promis réfléchir et me faire un retour. Mais honnêtement, j'ai un bon pressentiment. Je sais qu'elle me dira oui. Sur ce, je suis le gagnant du pari. Et toi, mon cher père... Ne me touche pas, dégage. T'as perdu. ne te réjouis pas, elle n'a pas encore dit oui. Père... Elle n'a pas dit oui, n'est-ce pas? Papa, je suis confiant, d'accord? Je suis vraiment confiant que sa réponse sera oui. Mon instinct ne ment jamais. Je suis confiant. Elle ne dira pas oui. Attends voir. Je vais prendre cet appel, attends. Allô? Hey, chef, c'est comment? Ouais, j'ai dit que je le ferai demain, c'est ce que j'ai dit. Je te l'envoie demain. Ouais. Non, c'est bon. Zior. Un pari. Vraiment, c'est donc ce que je suis. Après tout, je suis un pari pour toi. Non, je peux t'expliquer. Je peux te... J'ai entendu, tu l'as dit aussi haut et fort, je ne suis qu'un pari. Je peux t'expliquer, Zior. Zior, attends. Attends que je t'explique. Tu vas bien? Oui. Ça fait des jours que tu t'es enfermée en haut. Tu ne parles à qui que ce soit. Je vais bien. Si tu vas bien, alors viens regarder la télé avec nous. C'est intéressant. Non, merci, je passe. Il y a quelques jours, elle était heureuse et pleine de vie. Qu'est-ce qui a changé? Elle est une jeune femme. Elle a sûrement plein de choses en tête. D'accord? Ça va passer. Mais je n'arrive plus à supporter cela. Oh, cette fille! Crois-moi, je sais de quoi je parle. Oh. Oh. Tu nous as fait rater. Oui. Je ramène en arrière. Ramène-le. Thank you.
veux-tu? Je t'apporte à manger. Je ne t'ai jamais dit que j'ai faim. Je sais, c'est une excuse. Puis-je te parler? Alors? Désolé pour ce que t'as entendu ce jour-là. C'est pas ce que tu penses. Y a aucun pari sur toi. Je peux jamais te faire une telle chose. Et mon père non plus. Je sais ce que j'ai entendu. Écoute, je peux t'expliquer. Bien, je suis à l'écoute. Donc, il y a quelques semaines, je suis rentré et j'ai vu cette jolie femme dans ma chambre au téléphone. Alors, je me tenais là, langue perdue, et elle m'a surpris. Elle m'a claqué la porte au nez. Je me suis dit, qui est cette fille? Je suis allé voir mon père, je lui ai dit que tu me plais et je souhaiterais poursuivre une relation avec toi. Puis il a dit que je ne pouvais pas parce qu'il planifiait la même chose sur ta mère. Alors, aucun de nous ne voulait laisser la main à l'autre. Ainsi, nous avons décidé que quiconque gagnera sa femme en premier, le perdant devra céder la place au gagnant. Voilà la vérité. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a aucun pari. D'accord? Donc ton père veut sortir avec ma mère? Oui, mais elle n'est pas prête pour une quelconque relation. Elle t'a dit non? Je veux dire, pas vraiment, mais elle a dit qu'elle n'est pas prête pour une quelconque relation. Oh. Et cela prendra quelque temps. Je suis désolé pour ça. C'est bon. Toi, Isior, comment ça se passe? Elle ne me parle plus. Pourquoi ne te parle-t-elle pas? Donc t'as gagné. La seule chose que je vais gagner maintenant, c'est ton cœur. Oui. Oui quoi? Je serai ta petite amie. Vraiment? Que se passe-t-il? Est-ce que vous sortez ensemble? Hein? Et c'est depuis combien de temps? Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Ce que j'ai vu n'a pas l'air de commencer. Ça a l'air d'une affaire qui existe depuis. Maman, c'était qu'un câlin. Et le baiser? C'était sur le front. Femi, dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? Nos enfants s'aiment. Ah. Tu étais au courant? Il l'a mentionné quelques fois. Et vous m'avez laissé dans l'ombre? Je voulais te le dire, mais je sais comment tu réagis quand les gars viennent vers moi. Tu deviens trop protectrice et tu les chasses tous. Tu es ma fille et c'est mon devoir de te protéger. Maman, je suis une adulte. J'aurai mes 19 ans dans quelques mois. J'aime Zior. Et jamais je ne ferai rien pour la blesser. Je le promets. Femi! Dis quelque chose! D'accord. Tu sais quoi? Viens, s'il te plaît, assieds-toi, s'il te plaît, d'accord? Nelson dit qu'il l'aime bien. Je crois en lui et j'ai confiance. C'est un bon garçon. Je l'ai bien élevé. J'espère que t'as aussi confiance en ta fille. Maman? T'es-je déjà déçu auparavant? Non, mais... T'as pas confiance en la fille que tu as élevée?
Je l'ai. Alors fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Et d'ailleurs, si c'est une panne sonne ici, ce sera notre garde-robe que tu ne connais pas. Nelson. J'aime ma fille de tout mon cœur. Je le sais. Donc tu le sais. Elle vaut le monde pour moi. Je vous donne ma bénédiction. Mais sachez que j'aurai mes yeux braqués sur vous chaque seconde. Moi aussi. Bien sûr. Merci maman. Merci beaucoup. D'accord, je pense qu'il nous faut à boire. Je veux un verre. Un verre de vin. J'arrive. Un verre rempli de vin. Sûr, sûr. Alors, n'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Entendu, papa. Sois le garçon que j'ai élevé. D'accord? Fais pas ce que tu ne voudras pas en moi. Bien saisi, je ferai tout ce que t'as dit. Père, n'est-ce pas mon journal? Je l'ai cherché partout en vain. Tu veux encore le lire? Non. J'ai vu là un truc intéressant. Comme quoi? Dis raison pourquoi. Ça... Ouais. Mais tu n'as rien écrit après ce titre. Parce qu'il n'y a rien à écrire, papa. La mort n'a ni formule, il n'a ni de piste, tu vois. On ne peut savoir ce qu'on aime sur cette personne spéciale. On aime tout. Des petites choses, des grandes choses, je veux dire tout. Nelson Adedio, quel âge as-tu déjà? Père, l'âge n'a rien à voir. Je me demande comment t'es devenu si sage. J'ai appris des meilleurs, évidemment. Viens ici. Je t'aime, fiston. Je t'aime aussi, papa. Oui, j'ai fait quelque chose de bien. Ah. Cette maison va me manquer. Tu manqueras à cette maison, évidemment. Mais le plus important, tu me manqueras. Oh, Femi. Merci beaucoup de nous avoir hébergés. Merci de nous avoir reçus, ma fille et moi. Viens là. Tu vas me manquer. Tellement. Tu vas tellement me manquer. Hello, Zio. J'ai quelque chose pour toi. Comme quoi? Voilà. C'est la clé de mon cœur. Oh oh. Et où est la mienne? Ça y est, dans mon cœur. C'est tellement joli, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes? Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Et je t'appellerai chaque jour. Je t'enverrai des textos tous les jours. Qu'est-ce que je dis? Oublie ça. Je viendrai te voir tous les jours. Moi aussi. Je t'aime, Zior. Je t'aime aussi. Sortons d'ici. Can hold me tight.